Good Morning Business. Le débat. Est-ce que Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel sont inquiets? Est-ce que la hausse des taux du crédit immobilier qui va être facilitée par la mensualisation du taux d'usure? Est-ce que la forte baisse au quatrième trimestre des prix de l'immobilier de bureau, est-ce que tout ça constitue le début de l'explosion d'une bulle, Nicolas? Moi, j'y crois pas. Très franchement, j'ai le sentiment que au lieu de parler d'une bulle qui serait en train d'exploser, on avait un marché complètement irrationnel, ouais, avec de l'argent gratuit, qui a provoqué cette espèce d'hyperinflation sur les actifs, notamment l'immobilier. Donc, que les prix commencent à baisser, qu'on soit plus sur un nombre record de transactions comme ce qu'on a pu connaître, je parlerais plus d'une normalisation d'un marché plutôt que d'un marché qui partirait en vrille. Je trouve assez sain l'idée d'aller mensualiser l'actualisation du taux d'usure plutôt que d'attendre de faire une grosse marche tous les trimestres, et bien de faire trois petites marches tous les mois. Ça va avoir comme effet de fluidifier le marché du crédit, donc de dégripper en fait le marché immobilier en permettant aux gens d'accéder au crédit justement, là où le taux d'usure n'étant pas actualisé, ouais, suffisamment en temps réel par rapport au prix de l'argent. Les banques se retrouvent d'abord dans la possibilité d'augmenter les taux correspondant à leurs propres coûts et devant finalement la contrainte de devoir refuser des quantités de dossiers de prêt puisque le taux d'usure étant trop bas, les dossiers les plus fragiles ne sont pas éligibles. Donc on va réussir comme ça à fluidifier le marché du crédit et surtout à permettre à des ménages d'accéder au crédit. Parce que ce qui se passe avec justement l'argent plus cher et les refus de prêt qui ont atteint des niveaux très très importants en 2022, c'est que des quantités de gens se sont rabattus vers la location, faute de pouvoir accéder au logement, à l'acquisition. Et là, on est devant pour le coup, il y a un frottement qui est beaucoup plus un problème social, d'ailleurs, qu'un problème économique. Il y a de moins en moins de biens à la location, notamment à cause des contraintes environnementales. Tous ces gens qui retirent leurs biens à la location parce qu'ils ne sont pas assez bien notés dans les critères d'isolation. Donc, il y a de moins en moins de biens à la location, de moins en moins de personnes qui accèdent au crédit, donc de plus en plus de clients à la location. Et il y a un moment où vous n'arrivez plus à loger les gens. Et quand on n'arrive plus à loger les gens, ce n'est plus un problème de bulle, un problème économique, un problème de prix de l'argent. Ça devient un problème de société, une bombe sociale en puissance. Donc moi, je pense que tout ça est plutôt de bon aloi, plutôt qu'une espèce de moment d'inquiétude où il faudrait considérer que rien ne va plus. Jean-Marie Daniel, la question de départ, c'est aussi de savoir s'il y avait une bulle vraiment ou si finalement, c'est un marché qui se régule avec une offre, une demande et puis des prix qui bougent, quoi. Oui, alors le terme de bulle est peut-être là où je rejoindrai Nicolas, est peut-être un peu excessif, mais enfin, il y avait une évolution, une montée régulière des prix. Et cette montée régulière des prix, on pouvait considérer qu'elle allait se corriger parce qu'historiquement, il arrive un moment où les prix s'effondrent, baissent drastiquement sur le marché immobilier. Ça a été le cas dans les années 90. Et donc, en fait, la question qui se pose, à mon avis, se pose à trois niveaux. C'est-à-dire, il y a le discours des banques sur le taux d'usure. On ne peut pas prêter à cause du taux de l'usure. Ils ne prêtent pas parce qu'ils attendent que les taux d'intérêt montent. Oui. Parce qu'ils préfèrent prêter à 4% plutôt qu'à 3%. Ouais. Donc, si on leur dit, vous savez, dans un mois, vous pourrez imposer 4% à votre client, ils vont attendre un mois en disant, mais j'y suis pour rien. Je suis une victime de la Banque de France. Ce monsieur Villeroy de Gallo est irresponsable. Et puis, entre-temps, on empoche le fric. Donc, ça, c'est assez naturel. Ça, je trouve ça assez naturel chez les banques. Ça, c'est pour les banques et les courtiers. Ouais, mais c'est du business. Hein. Oui, là, c'est du business. Donc, le véritable enjeu, ce n'est pas le taux d'usure, c'est le moment où on va considérer que la hausse des taux d'intérêt pratiqués par la Banque centrale et a atteint son terme. Donc l'enjeu pour M. Villeroy de Gallo et surtout pour la BCE, c'est plutôt d'annoncer un moment où, désormais, on considère qu'on a atteint le niveau de taux d'intérêt qui est compatible avec la situation macroéconomique du pays. Deuxième élément sur l'évolution du marché immobilier, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a quand même d'une très grande diversité dans l'évolution des prix suivant les régions. C'est toujours les régions, le Grand Est, la Lorraine, le Grand Est et le Nord du Massif Central qui voient leurs prix continuer à baisser. Et puis il y a quelques endroits où ça monte, avec des endroits où d'ailleurs où des effets de rattrapage. Marie Cœur de Roy l'explique ça assez bien. En ce moment, Saint-Étienne est en train de devenir la ville où le prix augmente le plus parce qu'on part de très bas et parce qu'effectivement, à Lyon, le marché est saturé. Donc il y a des effets locaux qui sont assez importants. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est sur l'évolution des prix. Dans la théorie de la nouvelle macroéconomie classique, il est considéré que l'immobilier, c'est la réponse naturelle à la dette publique. Il y a un article très célèbre nommé Robert Barrault qui explique que la politique de Reagan en faisant du déficit budgétaire, en baissant les impôts de la classe moyenne, a puni la classe moyenne. C'est-à-dire la classe moyenne a payé moins d'impôts, mais le prix de l'immobilier s'est envolé et donc elle a été expulsée de Manhattan. Et donc Robert Barrault explique que
vous avez cru être le grand bénéficiaire de Reagan, vous en avez été la victime, parce que il y a eu une sorte de repli sur des biens sûrs dans un contexte, c'était un contexte d'inquiétude globale sur le plan macroéconomique. Et donc là, je crois que l'inquiétude globale sur le plan macroéconomique... Elle est assez forte. Hein. Elle est assez forte. Donc je pense qu'il y a encore des gens qui vont continuer à acheter à Paris, à Londres, à Manhattan ou dans le centre de Tokyo. Ah, les grandes tendances de 2023, c'est quand même des prix en baisse, c'est du crédit plus cher, c'est moins de 3 actions et c'est surtout le retour en grâce de l'acquéreur qui reprend la main. Mmh. Il y avait récemment là, un agent du Maine-et-Loire qui disait qu'à Angers, il avait 2 fois plus de biens à vendre que d'habitude. Et on constate notamment que les gens veulent plus acheter des biens où il y a beaucoup de travaux. Parce que les travaux oui. coûtent cher aujourd'hui, notamment à cause du prix des matières premières, et aussi les biens très mal isolés, parce que bah, on se retrouve contraint de devoir les remettre en état, et ça aussi, ça fait des factures importantes. Je crois que c'est un marché qui est en train de se stabiliser. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.